All right, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Today I'm gonna show you quick here. Before I'm gonna show you how you can sign up with Daisy and how you can, join Daisy and open your Tron wallet. It's a French video. But I'm gonna show you first how you can translate the video. In fact, you can translate any video on YouTube. Here we have a video. Let's play the What's going video. on, Daisy family? Jeremy here with you and my. Here we have Jeremy Roma. And if you want to translate this video, you just click here on undertitling. And then you go here on that little wheel. And then you click on undertitling. You click on translate automatically. Now it's on Dutch, but if you want to have it, whatever language you want, let's say we're gonna do it in German. And now we're gonna play the video just to show you. My goodness, we are truly doing something that has never been done in the history of this industry. So as you can see now, it is in Dutch. I'm going to show it to you one more time. You just click here on undertitling. Then you click here on the little wheel. Then you click on undertitling. And then you click on automatic translate. And you pick the language that you want. So as you can see, there are enough languages. Here we have Japanese. Let's click on Japanese. Now we're gonna play the video. Getting paid to attend an event. This. So as you can see now, it's in Chinese. I hope this video was helpful. Stay tuned because now I'm gonna show you how you can sign up with Daisy in French. But if you're English speaking or Chinese or Arabic, you can translate the video. Thank you. Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment installer TronLink Pro ainsi que comment alimenter votre compte depuis Binance en Tron et en USDT. Alors, vous allez sur tronlink.org. Et vous cliquez sur Browser Extension. Donc, il faut l'ouvrir avec, bien sûr, avec Google Chrome, avec Brave ou avec Mozilla Firefox. Ça ne marche pas avec Safari ou avec Internet Explorer. Là, vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur le Web Store de Chrome. Vérifiez bien qu'il y a beaucoup d'utilisateurs pour être sûr que ce soit la bonne extension, parce que des fois, des petits malins créent de fausses extensions de faux wallets dans le but de récupérer vos fonds. Mais là, on est bon, c'est plus de 400 000 utilisateurs. Vous cliquez sur Ajouter sur Chrome, Ajouter l'extension, et c'est parti. L'extension se rajoute ici. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la petite pièce de puzzle ici qui gère les extensions et vous cliquez sur épingler pour mettre TronLink Pro ici, dans cette petite barre ici, pour qu'il reste toujours là. D'accord? Donc là, on a déjà fait la moitié du chemin. Maintenant, je clique dessus. Je vais définir un mot de passe avec 8 caractères et des symboles ou des chiffres. Je clique continue. Donc ce mot de passe, il sert juste pour ouvrir votre wallet sur votre ordinateur. Et là, je crée un nouveau wallet, create. Voilà. Je donne un nom à mon wallet. Si vous allez faire un business, si vous allez l'utiliser pour une certaine application, pour autre chose, bah, vous le mettez en conséquence. Moi, je vais juste l'appeler wallet 1, portefeuille 1. Je clique continue. Et là, la partie la plus importante de cette vidéo. Donc TronLink vous donne 12 mots mnémoniques.
Il s'agit des mots qui permettent de récupérer votre compte lorsque votre ordinateur, par exemple, a un problème, il brûle, il est volé ou quoi que ce soit, ou disparaît. Vous pouvez ainsi récupérer votre compte n'importe où dans le monde, mais il vous faut ces 12 mots clés mnémoniques. Il faut savoir qu'il ne faut surtout pas les noter sur l'ordinateur, ne pas faire de copie écran, ne pas faire de photo avec votre téléphone, puisque ça peut être récupéré par des hackers. La façon la plus sécurisée, c'est de les écrire sur papier et de mettre le papier en lieu sûr. Vous pouvez également faire une copie de sauvegarde, vous pouvez l'écrire sur deux endroits différents. Ça vous permet de sécuriser votre compte. Donc là, je vais les écrire et je vais devoir les retaper dans la petite fenêtre juste après. Voilà, je les ai écrits et je vais devoir les remettre dans l'ordre. Et voilà, c'est vérifié. Voilà, donc mon compte est ouvert. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire juste pour ouvrir le compte Running, c'est déjà fait. Alors, où est-ce que vous avez votre adresse de réception pour recevoir des fonds dessus? Eh bien, elle se trouve ici, qui démarre par un T. Et vous pouvez la copier en cliquant sur ce petit carré-là. Ça copie l'adresse, d'accord? Donc il faut savoir que pour activer votre compte, il vous faut recevoir au moins 2-3 trônes dessus, ça va activer le compte. Parce que si vous envoyez par exemple de l'USDT dessus, ça ne fonctionnera pas, puisque le compte n'est pas activé. Donc la première chose à faire, c'est d'envoyer un petit peu de trônes. Vous pouvez l'envoyer depuis Binance, depuis un autre wallet, voilà, ça peut être très simple. Un trône, ça vaut 9 ou 10 centimes, il me semble. Donc vous pouvez même demander à un ami qui vous envoie 2 trônes. Donc on va passer sur Binance pour faire la suite, pour alimenter ce compte. Donc sur Binance, vous avez deux choix. Soit vous n'avez pas de crypto et vous allez sur Buy Crypto, carte deposit pour faire un dépôt en euros. Vous déposez des euros qu'ensuite vous allez échanger contre du Tron et de l'USDT, si vous désirez de l'USDT, mais en premier vous faut du Tron. Sinon, l'autre méthode, c'est tout simplement si vous avez de la crypto, vous allez sur ici convertir trade et convertir. Et là, vous allez convertir le montant que vous désirez en Tron. Donc, vous mettez Tron en bas. Et ici, en haut, la crypto que vous avez. Par exemple, si vous avez de l'Ethereum ou du Bitcoin ou du BNB, voilà, vous choisissez la crypto que vous avez. Il se peut que l'échange, la paire n'existe pas. Par exemple, si vous avez une crypto un petit peu moins connue, il se peut que vous ne pouvez pas la changer en TRX directement. Ce que je vous conseille, c'est de la changer soit en BNB, soit en USDT, et ensuite, depuis l'USDT ou depuis le BNB, de la changer en Tron. D'accord ? Donc, il vous faut, je vous ai dit, il vous faut juste quelques Tron hein, pour envoyer sur TronLink pour l'activer. Il faut savoir que le site Binance prend un Tron de frais pour le retrait. Donc, il faut bien le prendre en compte. Après, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais ça fait pareil aussi pour l'USDT. C'est-à-dire que si vous achetez de l'USDT, si vous voulez acheter 100 $, en réalité, il vous faut acheter 101 $ d'USDT pour pouvoir les envoyer sur ailleurs. Parce que vous allez recevoir 100 $. Si vous envoyez 101 $, vous allez recevoir 100 $. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais choisir je vais choisir une crypto-monnaie que je possède. Hop. Et là, je peux changer en Tron. Donc, le minimum, je crois que c'est 30, voilà, le minimum, c'est 250 Tron. Ce que vous pouvez faire, au lieu de... Parce que vous n'avez pas forcément besoin de 250 Tron. Si c'est juste pour activer votre toilette ou si c'est juste pour faire des petites opérations, vous êtes bien avec 100 Tron. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter, par exemple, 400. Et ensuite, vous faites cet échange. D'accord. Là, vous cliquez convertir, vous avez 5 secondes, 6 secondes pour faire convertir, parce que sinon, le cours change. C'est pour ça, en fait, c'est l'objectif de ce rafraîchissement. Mais une fois que vous avez acheté donc 400 Tron, vous allez envoyer 100 Tron sur votre toilette, et les 300 Tron, vous allez faire l'inverse. Vous allez mettre ici donc les 300 qui vous restent, et vous allez pouvoir les changer dans la crypto-monnaie depuis laquelle vous avez fait l'échange. Ça vous permet de récupérer, de pas avoir acheté 250 ou 300 Tron d'un coup si vous n'en avez pas besoin. Ensuite, pour l'USDT, c'est pareil. Ici, vous tapez USDT et vous faites votre échange depuis votre crypto vers l'USDT. Vous cliquez ici une fois et une deuxième fois pour confirmer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous allez sur Wallet Fiat and Spot. Et ici,
Et ici, vous allez chercher donc Tron, TRX, et vous cliquez Withdraw. Okay. Donc là, vous allez mettre l'adresse. Vous allez mettre l'adresse que vous avez prise sur TronLink. Vous le mettez ici. Ensuite, ce qui va se mettre, moi j'ai déjà des adresses préenregistrées, ce qui va se mettre plus bas, c'est le montant. Donc vous allez mettre le montant maximal. Vous cliquez OK, par exemple, si. Voilà, donc vous cliquez Withdraw. Et là, vous allez avoir la demande de sécurité, sûrement que vous aurez besoin de mettre le. Soit un code à 6 chiffres, voilà, les sécurités que vous avez définies sur Binance. Et 10-15 minutes après, votre retrait sera effectué vers votre wallet et vous allez recevoir les fonds sur votre wallet TronLink. Alors, si vous voulez retirer de l'USDT, comme je vous ai expliqué, il faut d'abord envoyer du Tron, que le Tron active le wallet TronLink et ensuite, vous pouvez acheter et envoyer de l'USDT vers ce wallet et faire les opérations pour lesquelles vous avez fait ces échanges. Donc une fois que votre TronLink installé, une fois que vous avez vos USDT et vos Tron sur votre wallet TronLink, moi je ne les ai pas ici, c'est vraiment pour vous montrer comment faire. Une fois que vous avez au moins 500 Tron, donc il faut désormais 500 Tron sur, pour chaque tiers de DAISY et vos USDT, donc 100$, si vous prenez deux niveaux, il vous faut 100 plus 200, il vous faut 300. Le niveau suivant c'est 700, ensuite 1500. 3100, etc., etc., vous faites le calcul. Mais en fait, vous allez sur Google Chrome, là où vous avez votre extension TronLink installée, vous tapez ici, vous collez là le lien de parrainage de DAISY, tout simplement. Le lien de parrainage qui vous est fourni, qui vous est donné par votre parrain, la personne qui vous en a parlé. Donc là, vous descendez un petit peu ici. Vous voyez bien, on est par défaut, on est sur le Forex. C'est le Forex qu'il faut acheter pour le moment. On favorise tous le Forex, puisque le Forex tourne à vraiment un niveau extraordinaire. Donc, vous allez devoir prendre le tiers 1. Il faut prendre tous les tiers dans l'ordre. Donc, tiers 1, 2, 3, etc. Et on ne peut pas prendre le 2 ou le 3 sans avoir pris le 1 ou le 2 si vous en prenez 3. Ici, vous allez voir votre référent, la personne qui vous parraine. Donc là, ça c'est mon pseudo. Ici, vous allez choisir un nom d'utilisateur. Donc vous allez prendre votre pseudo favori pour Internet ou votre nom, votre prénom, un mix des deux. Ou voilà, vous choisissez le vôtre. Ici, ce qui s'affiche, c'est votre adresse de wallet actuelle. Elle s'affiche ici. Et là, vous cliquez « J'ai lu et compris les conditions ». Et là, ensuite, ici, vous tapez « Sign up ». Ici, il y a une petite partie qui est pour la loi charia islamique. Alors, pour ceux qui sont concernés, vous pouvez cliquer. Ça, je ne crois pas que ça change grand-chose. Voilà, donc vous cliquez « Sign up ». Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que TronLink va s'ouvrir. Donc là, je n'ai pas mis un nom d'utilisateur. On va prendre quelque chose au hasard. Voilà, donc ce qui va se faire, voilà, moi j'ai pas de Tron, donc il me laisse pas, mais ce qui va se faire, c'est que ça va s'ouvrir, vous aurez un pop-up qui va s'ouvrir de TronLink et vous devrez valider la transaction. Donc il y aura d'abord une première inscription, ensuite une validation de transaction et vous en aurez une troisième. Donc il y aura au total, il me semble qu'il faudra cliquer au moins trois fois pour valider tout cela. Une fois que tout est validé, vous allez vous retrouver sur le back-office de DAISY. Donc pour aller sur le back-office de DAISY, vous tapez simplement daisy.global. Donc ça, c'est le menu principal pour accéder sur DAISY. Donc si vous avez déjà un compte, ici, vous pourrez cliquer, vous aurez un lien pour cliquer pour pouvoir vous connecter à votre compte. Donc avec un clic, vous connectez, il n'y a pas de mot de passe. L'authentification se fait à travers le wallet TronLink. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-moi. Autrement, je vous souhaite de bons gains sur DAISY.